Aujourd'hui, la team 2.0, tout ce que je vais imaginer, je vais l'obtenir. Je veux des diamants à l'infini, je les ai. Je veux être Iron Man, je deviens Iron Man. Et on va pas aller plus loin que ça dans la démonstration, parce que je pense que vous avez compris. Du coup, là, maintenant, tout de suite, premier truc qu'il faut que je fasse, eh ben, c'est tout simplement rentrer dans la pyramide et récupérer la lampe magique. Voilà qui est parfait. Et maintenant, messieurs dames, grâce à ce truc-là, on va faire des dingueries. Parce que, ouais, normalement, si je fais clic droit... Voilà. Vous voyez ce petit truc là? C'est tout simplement ce qu'on appelle un génie. Bon, c'est clairement pas Albert Einstein, mais voyons voir ce qu'elle a à nous dire. Merci de m'avoir libéré. Pour te remercier, tout ce dont tu n'as jamais rêvé, je te l'offrirai. Et vous avez vu ça? Le génie a disparu et il a laissé une tête de moi. Ça sert à quoi? Oh, pop, 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 pop. Regardez ça, ça vient d'invoquer une tête de John. Tu sers à quoi, toi? Alors apparemment, ça servirait à une chose, écrire ce que je veux et l'obtenir. Parce que, ouais, quand j'utilise les commandes vocales, c'est pas assez précis. Admettons que là maintenant tout de suite, je lui demande des milliers d'arbres. Eh bien, regardez, il me donne des arbres. Ça, c'est plutôt simple. Il comprend plutôt bien. Du coup, vous savez quoi? Hop, on va se planter quelques arbres. Voilà qui est parfait. Et par exemple, si là maintenant tout de suite, je lui demande un météore, ça m'étonnerait qu'il y ait un météore qui tombe du ciel. Ouais, c'est clairement ce que je me disais. Du coup, on va l'écrire là-dedans. Voilà, on lui demande un météore pour couper les arbres. Et normalement, c'est exactement ce qu'on devrait obtenir. Oh oh oh. Il a même été plus loin, regardez ça. Je crois qu'il vient de nous faire une hache météore. Oh, regardez ça. Oh, je croyais absolument pas que ça fonctionnerait aussi bien. Ben, vous savez quoi, c'est super cool. Parce que ouais, regardez ça, j'ai un stack et demi de bois. Et là par contre, après tout ça, faut clairement qu'on essaye un truc beaucoup plus cheaté que ça. Mais pour commencer, on va commencer par un truc simple qui peut comprendre en commande vocale. Donne-moi un full armure, full fer. Et ça fonctionne absolument pas. Oh. Quoique, regardez ça, ça vient de me donner un full set fer. Oh là là, alors ça c'est pas mal du tout ça. On va voir jusqu'où il peut aller ce génie. On va lui demander de créer un générateur de minerais. Voilà mon pote. Et c'est quoi ce truc là? La vérité, si ça fonctionne pas, je te fume. Donne. Et d'ailleurs, avant qu'on teste ça, remets-moi le jour. Eh ben ça fonctionne sacrément bien. Du coup, hop, on va se tester ça et... Attention, attention. Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là? Oh, clairement maintenant je veux quelque chose qui mine à ma place. Et regardez, regardez ce qu'il vient de me donner. Il vient de me donner une pickaxe qui s'appelle Alfred. Est-ce que Alfred tu mines tout seul? Oh oui, regardez ça. Oh, oh oui. Mais oui. Oh mais clairement il nous faut ça tous les jours dans Minecraft. C'est extraordinaire ce truc. Bon par contre petit problème avec ça, c'est que sûrement ça va nous rendre très très feignants. Mais vous savez quoi, c'est pas bien grave. De temps en temps se faire assister, bah, c'est pas trop mal de travers hein. Bon par contre bande de feignantes, minez plus vite. Hop, on invoque quelques pickaxes en plus. Eh bref, récolte de diamants. Voilà parfait. Alors là on est bien. Par contre, petit truc qui va nous manquer dans cette aventure parfaite, c'est un petit peu de nourriture. Du coup, laissez-moi réfléchir un petit peu. Et on n'a même pas besoin de réfléchir. Il a pensé à ma place. On a des pommes dorées. Par contre, je pense qu'on peut clairement avoir mieux que des pommes dorées. Parce qu'on va lui demander des pommes dorées en diamant. Voilà. J'espère que ça a fonctionné. Et oui. Donne à tonton. Voilà, avec 9 pommes dorées en diamant. Et clairement, j'espère que c'est pété. Oh, oh, regardez tout ce que ça donne, c'est complètement pété. Clairement, je sais absolument pas jusqu'où peut aller ce génie. Mais on va tenter de le savoir. Parce que maintenant, on va lui demander un magasin à items cheatés. Voyons voir s'il est si génial que ça. Tiens. Oh, pardon? Ça fonctionne vraiment ce truc? La vérité, j'y crois pas. Eh ben en fait, si. Et de ce que dit le chat, tout coûte environ 5 diamants dans ce shop. Du coup, étant donné qu'on a 28 diamants, on va pouvoir faire quelques emplettes. Hola, qu'est-ce que t'as? Comment est-ce que t'as à la casa? Oh, pomme de notch. Attendez, je peux acheter des blocs de diamants pour 4 diamants? Eh oui, c'est exactement ça. Allez, donne à tonton, bien sûr. On vient d'inventer le diamant illimité sur Minecraft. Clairement, j'adore beaucoup trop ça. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut acheter d'autre. Oh, bloc de netherite. Oh oui, voilà, nickel. Et à l'étage, qu'est-ce qu'on a? Rien d'intéressant. Venez, on fait comme si on n'avait rien vu. Enfin, quoique si. Parce que si jamais j'achète un bloc d'iron juste comme ça, eh bien, je peux faire ceci. Décrafter l'iron. Et messieurs, dames, regardez ça. Eh ben, surprise, on est full netherite. D'ailleurs, si jamais vous voulez une deuxième vidéo sur ce mode, n'hésitez pas à me proposer des items que le génie pourrait invoquer. Bref, d'ailleurs, jeune génie, mets-moi le jour. Voilà qui est parfait. On va pouvoir continuer cette vidéo. Parce que, clairement, vous savez quoi? La netherite, c'est clairement surfait. Moi, ce que j'aimerais bien avoir maintenant tout de suite, c'est une armure d'Iron Man. Parce que, clairement, Iron Man, c'est mon héros préféré. Du coup, vous savez quoi? Hop, on lui demande de me donner une armure d'Iron Man. Voilà.
Voilà, donne à tonton, mon pote. Et c'est absolument pas une armure d'Iron Man, ça, il tue du village que tu es, va. Ça m'a l'air d'être une structure. C'est quoi ce truc encore? Bon, après, on peut pas trop lui en vouloir, c'est la première fois qu'il se trompe. Mais bref, c'est pas bien grave, hop, faisons spawner ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça vient de faire spawner le manoir de Tony Stark. Et c'est exactement ça. Du coup, on va faire extrêmement attention. On va manger une pomme de diamant et on va manger une pomme dorée. Voilà, nickel. Parce qu'on fait jamais trop attention dans la vie. Kikikiki, Tony, j'arrive, frérot. Oh, la maison, elle est gardée. Du coup, vous savez quoi? Hop, on va mettre le vieux casque en fer. Voilà, qui est parfait. Et j'ai envie de dire, bah, c'est parti pour l'action. Titi, petit. Oh, c'est des vieux piégeurs. Voilà, nickel, allez, file de light, choc, tu aimes, hein. Hop, on se remet une pomme cheatée et pas que ça dégage. Et ça aussi. Oh, et j'ai même mon génie qui attaque. Alors ça, c'est clairement beaucoup trop cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que... Regardez ça, j'ai la première version de l'armure de Iron Man. Bon, il manque les deux autres, mais dans la vie, on peut pas tout avoir. Du coup, on va se contenter de cette armure-là. Allez. Hop, ça c'est pour tonton. Du coup, on retire tout ça. Et pack. Eh ben, regardez ça. Est-ce qu'on serait pas Iron Man, nous? Mais si, bien sûr. Oh, j'ai pas fait exprès. J'ai fait clic gauche. Oh, Tony, mon pote. Tu nous avais caché 2-3 trucs. J'espère que tu m'en veux pas, Tony. Hop, je te pétage juste un petit peu de gold. Ni vu, ni connu. Du coup, avant de me faire choper par Tony, hop, moi je me casse de là. Et hop, atterrissage. Génie, tu es où, frérot? Ah, te voilà. Clairement, la dernière chose qu'on voulait, eh ben, c'est que la tête disparaisse. Et surtout, qu'elle invoque Thanos. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, cette idiote de tête? J'ai dit que je voulais pas qu'elle t'invoque Thanos. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle m'invoque Thanos. Viens ici, toi. Viens voir par là, toi, idiot. Viens voir goûter à la 5 puissance. Et je crois que le frérot, je l'ai désintégré. C'est des choses qui arrivent quand on énerve Johnny. Et toi, remets le jour avant que je m'énerve. Voilà, nickel. T'as assez fait de bêtises comme ça. Maintenant, un truc que j'aimerais bien voir, c'est si ce génie regarde mes vidéos. Parce que ouais, un des items les plus cheatés que j'avais fait, c'était tout simplement une épée à mon gus. Du coup, voyons voir de quoi t'es vraiment capable. Oh là là, trop cool. Bon, c'est pas vraiment ce que je lui ai demandé. C'est pas du tout une épée que je viens d'avoir. Mais à mon avis, contre des monstres la nuit, ça doit vraiment faire le café. Oh, et non, elle m'a mis la nuit. Mais vous savez quoi, pour une fois, je vais pas lui en vouloir. Parce que ça va me permettre de tester mon épée. Du coup, voyons voir contre de simples victimes. Comme par exemple, ces deux idiots de zombies. Ça désintègre purement et simplement les zombies. Et toi, Spider-Man? Bah, c'est le même tarif. Et d'ailleurs, prochaine chose que je vais demander à ce génie, c'est que vous vous abonniez et que vous me mettiez un petit like sur la vidéo. Parce que sinon, il va vous faire disparaître comme ce creeper. Et ça, personne ne veut disparaître comme ce creeper. Bien sûr que non. Mais bref, là, trêve de blablatage. Et surtout de mensonges. Parce que, ouais, le génie, il est vraiment sympa, mais ça, c'est absolument pas une épée. Du coup, je vais tenter de lui demander quelque chose de beaucoup plus précis. Comme une épée qui invoque des épées. Voilà, nickel. Toi, mon ami, tu t'en vas. Voilà. Toi aussi. Et toi, donne-moi ce que je t'ai demandé. Oh, et regardez ça. On a une épée assez stylée. Mais chose qu'il faut vérifier, est-ce qu'elle invoque une armée d'épées? Oh oui. Et elle fait même mieux que ce qu'on lui demande. Alors ça, clairement, il faut qu'on teste quelque part. Et ce quelque part, ça va tout simplement être ici. Est-ce que ça fonctionne sur les pillagers? Oh oui. Ça vous apprendra à m'avoir bolos dans la dernière vidéo. Et vous savez sur quoi on pourrait tester cet item-là? Sur l'Ender Dragon. Du coup, mon jeune ami, fais-moi apparaître un portail de l'End. Oh, il est où? Ça l'a vraiment fait apparaître, là? Oh oui! Il était juste un petit peu caché. Il l'a fait apparaître juste ici. Oh, il vient de tomber dans le sol! J'ai aucune explication sur ce qui vient de se passer. Par contre, sur ce qui va se passer maintenant, j'ai beaucoup d'explications. Il faut pas énerver le patron. Maintenant, toi, jeune tête, donne-moi de l'imagination. Voilà, juste comme ça. Et on va lui demander une tourelle pour tuer le dragon. Et hop, donne-moi ça. Plutôt efficace, non? Maintenant, j'ai envie de dire, bah, plus qu'à aller faire joujou. Hop, ça, grâce à mes pouvoirs, ça s'en va. Et Ender Dragon, à nous deux, mon ami. Et attendez, je viens de stratosphériser l'Ender Dragon. Frérot, je t'ai stratosphérisé où? Faut pas bouder comme ça, parce que sinon je demande à mon génie de te ramener ici. Et ben voilà, ce qui veut dire qu'on va enfin pouvoir tester ceci. Voilà. Ça tue toutes les entités autour de moi? Oh, attendez que ça touche l'Ender Dragon, ce truc. Oh, ça y est, ça commence. C'est quel bail? Oh la vache!
Adios muchachos. Eh ben écoutez, je sais pas pour vous, mais c'est un des super pouvoirs les plus puissants que j'ai jamais eu. Du coup, j'ai qu'une chose à dire. Si jamais vous voulez pas que je donne votre nom à ce génie, eh ben abonnez-vous et mettez un like à cette vidéo, parce que sinon, il pourrait vous arriver des bricoles.